président, permettez que je chante, car l'affaire est urgente, ça ne prendra pas longtemps. Depuis le 17 mars, paraît que c'est la guerre. Je ne suis pas militaire, juste un intermittent. Sans les intermittents, il n'y a pas de miracle. Il n'y a plus de spectacle pour divertir les gens. Je ne suis pas larmoyant, mais ma requête est franche. Il faut une année blanche pour les intermittents. C'est que la culture dans tous nos coins de France permet la tolérance et fait grandir nos enfants. Si on parle d'argent, la culture se fait belle. Excusez la bagatelle du PIB, c'est 3%. Il est bien entendu que la vie sans culture se nomme dictature. Cela est donc exclu. Demain de bon matin, si vous fermez sa porte, la culture sera morte comme les intermittents. Des concerts j'en ai fait sur les routes de France, de Bretagne en Provence, j'ai vu les yeux des gens. Aujourd'hui les comédiens, les artistes, les précaires et autres intérimaires redoutent leur destin. Tous ces faiseurs de rêves nous sont indispensables. Ce n'est pas une fable qu'on raconte aux enfants. Monsieur le Président, permettez que je chante. Il faut une année blanche pour les intermittents. Il faut une année blanche pour les intermittents.